Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. Stop à l'exclusion énergétique. Bonsoir, bienvenue. Alors, évidemment, on ne va pas être long, d'autant que la plupart d'entre nous avons eu le courage et l'intérêt d'écouter les 24 sélectionnés par les 8 jurys régionaux qui ont impliqué 90 experts un peu partout en France. Et je trouve qu'on a passé un très très bon moment. 3 minutes et demie par projet, c'était à la fois très court, mais c'était très passionnant, et surtout c'était des bons teasings, puisque si on a choisi 6 lauréats, mais aussi 2 coups de cœur, je crois qu'on est vraiment, on a été passionnés, on s'est baladé partout en France, et on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et qui nourrissent ce qu'a fait le projet de ce trophée dans le cadre de notre scénario sortir 1 million de personnes par an d'après Clarité énergétique, c'est-à-dire de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font partout. Maintenant, la question, c'est comment on va, j'ai même le masque quand on tombe, comment on va dupliquer, comment on va amplifier, comment on va créer des nouveaux partenariats. Et c'est vraiment ces critères-là qu'on a portés. On a envie, depuis un an maintenant, et merci Madame la Ministre d'avoir été là le 5 septembre l'année dernière, pour lancer un peu concrètement cette action. On a maintenant un scénario, on a porté des propositions dans le cadre du plan de relance, on a travaillé dans des groupes sur les questions du financement, on avait déjà parlé ensemble des questions de reste à charge sur lesquelles on a des propositions, sur la question de la formation, expérimentation autour de l'idée de créer un métier des ensembliers solidaires, on a travaillé avec le réseau Ecohabitat, Dorémy, les compagnons bâtisseurs, la Chérope et d'autres. On a, voilà, maintenant il y a des solutions qui sont là, on cherche comment les mettre en œuvre. On a des propositions, on a rencontré votre cabinet récemment encore. Le CEREMA a décidé de nous accompagner aussi, de nous aider, on a avancé sur pas mal de sujets. L'ADEME était grand partenaire. Les collectivités locales, à travers bon, le Grand Paris qui nous a accueillis, la région Pays de la Loire. Enfin, voilà. Donc il y a une très très belle dynamique qui est là. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Ça couvre à la fois les acteurs de la solidarité, les acteurs de l'écologie, les collectivités locales, le business, y compris un pôle de compétitivité comme Énergie-Vie, qui était notre correspondant Grand Est. Je crois que maintenant, il faut enclencher. Merci encore des décisions qui ont été prises. Je crois que limiter le reste à charge à 10%, ou en tout cas financer 90%, les milliards en plus sur la prime Rénov. Je crois que la dynamique est là au niveau de l'État, mais on a encore un chemin à faire sur comment travailler ensemble, comment expérimenter, évidemment, comment financer tout ça. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a fini une première étape, une première génération de notre collectif. On est 70 autour de la table. On va maintenant se réunir et bien préparer les 2 ans qui viennent avec tout un ensemble de partenaires qui, beaucoup, sont là. Mais vous attendez, je crois, beaucoup les résultats, à la fois dans cette salle, mais aussi en ligne, parce que certains n'étaient pas là. On a aussi diffusé sur la chaîne YouTube, on avait 100 de personnes à peu près tout le temps cet après-midi. Tout ça est une très très bonne nouvelle. De toute façon, on va le relier. Demain, on se rhabille avec les lauréats. On devait être au Salon des Maires, mais il semblerait qu'il ait quelques difficultés d'organisation, mais on y sera, même dans la version numérique, on sera aux Assises de l'énergie, enfin, on sera présent avec tous les lauréats, parce que maintenant, on a l'intention de les mettre en valeur. Et quand je dis les lauréats, ce n'est pas les noms seulement qui vont s'afficher maintenant, mais c'est les 24, et qui dont leur fiche, dont le descriptif sera présent dans la revue CRI d'énergie qui sera publiée bientôt, mais aussi repris par nos partenaires comme The Pro Territorial et comme Newstown City, voilà, dont le directeur est aussi là. Donc tout de suite, les lauréats. J'ai conscience du déceptif, ça a été vraiment très très dur. Il y a des projets auxquels on est tous attachés. Enfin, je parlais des compagnons bâtisseurs tout à l'heure qui font un gros travail, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde. Une Dreal, c'est vrai, quand on a lancé ce projet, vous m'auriez dit qu'une Dreal allait participer et être grand lauréat aujourd'hui, je me serais interrogé. Non pas que les Dreal ne font pas un travail majeur, mais ce n'était pas mon premier effet de dire qu'une Dreal participerait. Et quand on est rentré dans ce projet, qui est un vrai projet porté,
On a été assez enthousiastes dans la région qu'aujourd'hui, et notamment en se disant, mais ce travail d'observatoire, d'accompagnement, d'identification, c'est aussi effectivement le travail de DREAL, et j'espère, Madame la Ministre, que d'autres DREAL pourront s'en inspirer, évidemment, avec le soutien de ce ministère. Histologe, on est sur des technologies, des outils numériques d'accompagnement. Il y en a eu beaucoup dans notre candidature. Celui-là a beaucoup plu. Et par ailleurs, notamment dans son approche partenariale, puisque ce sont au départ des fonctionnaires, c'est une start-up d'État. Je ne sais pas sur la terminologie, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ce sont une initiative start-up de fonctionnaires qui sont associés avec la ville de Pau. Et je crois vraiment que cet outil peut se partager aussi très très largement. HOPE est une chaire attachée à Grenoble. Là, c'est les étudiants. Je crois qu'il y a plus d'un million d'étudiants en précarité énergétique. Je pense que le chiffre est encore plus important que ça. C'est un début de travail, mais avec une sensibilisation. Les étudiants et étudiantes étaient là tout à l'heure. Et je crois qu'ils ont convaincu largement le jury. Une association entre deux villes qui peuvent apparaître très très différentes. Monsieur le maire de Montfermeil, félicitations. On pourrait féliciter aussi le maire de Sceaux, qui est très impliqué sur ces sujets, qui est secrétaire général de l'Association des maires de France. Cette action étant très fortement soutenue par la métropole du Grand Paris. Donc le projet s'appelle PrEP, et on voit bien qu'il y a une vraie logique de changement d'échelle, d'autant que, évidemment, la métropole du Grand Paris va le porter pour que ça dépasse largement ces questions de Montfermeil et de Sceaux, notamment dans le travail formidable que vous faites avec Florence Bresson et d'autres sur les autres pavillonnaires. Mais on voit bien la capacité de changement d'échelle et même l'intérêt que peut avoir le Grand Est tout à l'heure. Une organisation très très bien connue aujourd'hui, qui est le réseau Ecohabitat, qui vient nord de Paris ou du sud des Hauts-de-France, mais qui maintenant travaille un peu partout en France et sur un modèle qu'ils ont envie de dupliquer très très vite, c'est une association, et qui s'est associé avec Caritas France, le Secours catholique, pour toute la partie identification. C'était deux projets différents au départ. En cours de route des trophées, ils ont choisi de s'associer. Et aujourd'hui, une très très belle opération. J'espère qu'elle va se développer très très vite, parce que dans tous nos travaux, il y a quand même une priorité, c'est les grands précaires. Les grands précaires qui ont besoin d'un accompagnement global. Vous avez annoncé, Emmanuel Vargon, que 2021 sera l'année de la rénovation globale. Je crois qu'on a un vrai bel exemple, et ceux qui sont le plus en précarité, ceux pour qui le mot reste à charge ne veut absolument rien dire, et surtout quand on dispose de quelques dizaines d'euros parfois par semaine pour se nourrir, évidemment, la seule solution est un financement total et un accompagnement global, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur ce métier nouveau qu'on cherche à développer dans son billet solidaire. On a besoin de ça. Autre sixième catégorie, là c'était les opérateurs, il manque le mot, pardon, les dispositifs territoriaux, ça j'en parlais tout à l'heure. C'est la métropole de Lille qui a séduit le jury, mais il y avait aussi la Mayenne, le Cléam, Est Ensemble. Vraiment, le choix était très très difficile, et c'est la métropole de Lille, région très très concernée par ces sujets, qui a gagné. Deux coups de cœur. D'abord, le CEREMA, une grande organisation, mais qui a enclenché avec plein de partenaires un travail sur la qualité de l'air. On est convaincus, dans le collectif, mais je crois aussi dans le jury, que la question de la santé, elle est majeure. Tout ce qu'on fait, c'est ce gain environnemental, social, emploi et santé. On voit bien que le driver aujourd'hui, c'est la santé, c'est la qualité de l'air, c'est ça qui fait bouger les gens. Et quand on est en période de confinement, j'espère qu'on n'y reviendra pas, et qu'on entend à la télévision que la qualité de l'air intérieur s'améliore, eh bien c'est le contraire chez les précaires. Et si on est confiné en plein hiver, vous voyez bien les problèmes auxquels on va être confronté. Et c'était très très important pour nous d'affirmer dans ce coup de cœur qu'on a besoin de ces métiers d'expertise partout dans le territoire français, et on a trouvé dans le CEREMA une ambition forte. Deuxième sujet, je quitte Maison Solidaire, un vrai coup de cœur de tout le monde, un vrai coup de cœur aussi du jury, c'est comment quelqu'un, pardon, je raconterai moins bien l'histoire que toi, mais elle est très simple, il est banquier, il a une jolie maison, il rencontre quelqu'un qui n'a pas du tout une jolie maison parce qu'il n'a pas de quoi se loger, il se dit, mais je vais loger à la maison, mais tout ça est compliqué, puis
En même temps, il se dit, j'ai une chambre qui sert une semaine sur deux. Si je la mets en Airbnb ou autre, ben, ça va générer un peu d'argent. Je vais la garder pour moi parce que je veux que cet argent serve comme modèle économique pour pouvoir loger quelqu'un. Et la solution, c'est les tiny houses, puisqu'il y a plein de friches, notamment dans le Nord, dont il vient. Et donc, si on loue, on finance une tiny house. Ensuite, une fois qu'on l'a mis en activité commerciale classique au bout de quelques années, elle est amortie. Et à ce moment-là, on peut loger des gens en grande difficulté, y compris quand on a besoin de les loger, parce que chez eux, on a besoin de faire un gros bouquet de travaux. Voilà. Je ne peux pas raconter les 24 histoires. Elles sont toutes vraiment très très belles. Je suis hyper enthousiaste. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire dans cette affaire. C'est d'être là, déjà, d'être là entre nous, de pouvoir se parler. On n'a pas pu faire cocktail, etc. Mais voilà, je pense que les connexions se sont faites. Donc, rassurez-vous, personne n'a perdu son temps dans cette affaire. Le tout petit retard a permis juste d'améliorer les interconnexions entre les gens et on va continuer à le faire parce que c'est là se situe, je pense, la grande clé. J'ai eu un très très grand plaisir, il n'y a pas très longtemps, c'est entendre le mot « grande cause nationale » dans votre liste. On n'a pas gagné au sens l'officiel des choses, mais on est convaincu que c'est le vrai grand sujet. Et j'aimerais qu'on vous en parle dans pas très longtemps, indépendamment de tous les sujets très opérationnels. On a une échéance très particulière en 2022. Je sais, il y a les présidentielles. Ça, c'est un détail. On a la présidence française tournante de l'Europe. Je crois que c'est le moment de porter ce sujet au niveau international. On a une dynamique qui est prête à le faire. Et d'autant que l'angle qui nous semble le plus important, c'est celui de la question des femmes, parce que ce sont les femmes souffrent plus que les autres des questions de précarité énergétique. Et voilà. Bon. C'est un balayage très très large. Je ne voulais pas faire trop long. Bravo à tous. Je voudrais qu'on vous applaudisse tous, y compris ceux qui sont en ligne. Parce qu'on ne s'était pas revu depuis, vous féliciter. Parce que quand on dit Madame la ministre, même amicalement, c'est un vrai ministère. J'ai rien contre le secrétaire d'État, mais je sais que ça peut peser fortement. Merci beaucoup. Je vous avoue qu'en rentrant dans cette salle, je me suis dit c'est mon moment feel-good de la journée, c'est le moment positif où on voit qu'en fait on peut faire des choses. Et je voudrais commencer par remercier Gilbert, la Fondation des Transitions, d'avoir eu cette volonté un peu folle de créer cette coalition, de dire on a un objectif, c'est stop à la précarité énergétique, notre objectif c'est 1 million de personnes par an et on peut le faire et il faut viser grand parce que c'est la seule manière de le faire. Alors, c'est une discussion qu'on a commencée quand j'étais secrétaire d'État. À cette occasion-là, j'avais déjà commencé à travailler sur des sujets d'efficacité énergétique et de rénovation des logements. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite sensible à cette idée de grande cause, même si ça n'est pas la grande cause au sens juridique du terme. Et je crois qu'on est à un bon moment pour ça, avec un bel alignement des planètes. D'abord parce qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur la rénovation énergétique des logements que dans cette période. On a ajouté 6,5 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le plan de relance, dont 2 milliards pour les particuliers. Et quand je regarde mon budget 2021, on met 2,3 milliards d'euros sur l'année 2021 sur la rénovation des logements des particuliers. Donc enfin, on a des moyens. Ça se produit à la fois parce qu'on est dans ce moment très particulier de la crise et du plan de relance. Ça se produit aussi grâce à tout le travail qui a été fait par à peu près toutes les personnes qui sont dans cette salle. Tout le travail d'assemblage sur la qualité du repérage, la qualité du conseil, la qualité des premières rénovations qui ont été faites, la réflexion sur la rénovation globale, le fait que le chèque énergie c'est intéressant mais c'est pas suffisant, le travail avec les artisans et l'offre, parce que évidemment c'est un point absolument clé pour qu'on rénove, encore faut-il qu'on ait des artisans, et finalement tout un écosystème, l'ADEME, l'ANA, évidemment les DREAL, les services de l'État, les DDT, les collectivités locales, je ne les ai pas citées, mais elles sont évidemment clés au début et à la fin de l'histoire, qui montrent qu'en fait on est mûr pour enfin investir dans la rénovation des logements, dans la rénovation des particuliers, et qu'on sait qu'on va savoir le faire. Et ça, c'est,
C'est grâce à cette mobilisation collective dont vous faites partie. La deuxième chose qui me fait énormément plaisir dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est la mise en valeur de belles histoires. Vous en avez vu 24, moi je n'ai eu qu'un résumé, donc je voudrais saluer les 8 lauréats, je voudrais évidemment saluer, vous me le permettrez, en particulier la Réal Grand Est, parce que c'est important de montrer à quel point les services de l'État sont mobilisés et innovants, le CEREMA. Mais en fait, ça montre surtout que qu'on soit dans un service de l'État, dans une collectivité locale, qu'on soit maire, qu'on soit... Finalement, c'est tous ensemble qu'on y arrive. Il y a certaines expériences que je connais. Eco Habitat Caritas, moi je suis allée il y a longtemps maintenant voir une opération de rénovation chez des grands précaires. C'était extrêmement émouvante parce que c'était une maison qui à la base était quand même proche du taudis hein, en réalité et qui était complètement retapée avec beaucoup d'argent et beaucoup de cœur. Et en fait, on a besoin des deux, on a besoin de moyens, là on est en train de les mettre, mais on a besoin de cœur parce que c'est pas que des chiffres, c'est des histoires humaines. Et plus on est dans la précarité, la lutte contre la précarité énergétique, plus il faut accompagner les personnes. Et moi, c'est une expérience qui m'avait beaucoup marquée. Donc voilà, on est au moment où les moyens sont là. Ma prime rénov, ce sera 90% de financement entre ma prime rénov et les C2E, hein, parce qu'après, les aides des collectivités locales viennent en plus. Donc ça permettra de faire le bouclage. J'en profite pour dire que 2021, ce sera aussi l'année où on va interterritorialiser ma prime rénov, au sens où on va pouvoir avoir des données sur où est-ce qu'elle est utilisée, et deux, proposer aux collectivités qui le souhaitent un partenariat pour abonder. Ce qu'on ne pouvait pas faire en 2020, et ce qui est notre objectif en 2021, qui renouera le lien de proximité avec les collectivités. Donc 2021, c'est l'année où on a l'argent. 2021, c'est l'année où on a la volonté. 2021, c'est l'année où cette mobilisation se cristallise. Donc moi, je trouve ça magnifique de faire émerger tous ces exemples. En fait, on a tellement de belles expériences partout, et moi qui me déplace beaucoup, j'en vois beaucoup, que la question, c'est comment est-ce qu'on montre que tout ça existe? Comment est-ce qu'on fait ce partage? Comment est-ce qu'on fait que l'expérience de la Dréal Grand Est arrive en Occitanie, que l'expérience des deux communes de Montferrand et de Sceaux avec le prêtre se développe partout en France? Je crois que c'est possible. Je crois que vous êtes un formidable accélérateur. Vous êtes un formidable aiguillon. Mais c'est normal, c'est bien ainsi. Donc bravo. Bravo pour le BIC demain. Donc bravo L'Oréal d'abord. Bravo pour rendre ça visible au BIC demain et dans toutes les prochaines étapes. Et je relève le défi de comment est-ce qu'on partage ça à l'échelle européenne, au moins de la présidence française. Donc allons-y. De toute façon, c'est un sujet que j'ai démarrer en tant que secrétaire d'État, que je continue en tant que ministre du Logement, donc vous allez m'avoir sur le dos encore quelques temps. Merci.